Vous voyez, finir Minecraft, c'est vraiment devenu trop simple. Par exemple, pour mon premier speedrun, j'ai fini le jeu en un peu moins de 50 minutes. Et actuellement, il y a plein de gens qui finissent le jeu en moins de 15 minutes. Donc je me suis demandé si je pouvais finir le jeu, mais avec seulement un slot. Et au cas où, pour les petits malins, non, je ne peux pas utiliser ma deuxième main. Et voilà, j'ai lancé mon stream et j'ai commencé le challenge. Je pense que simplement, juste pour le tout début, je prends du bois histoire d'en avoir. Et je sais que ça ne me sera pas très utile. Ça commence déjà la galère, faut que je drop à moitié. Tac, tac. Merci. C'est une stratégie assez particulière vu qu'il faut drop beaucoup de choses au début. Je vais récupérer la cobblestone et là j'espère récupérer les bâtons. Bah non. Voilà, j'ai la hache pour me défendre jusqu'à ce que j'arrive quelque part. Si vous avez trouvé galère le fait de simplement me craft une hache, imaginez pour le reste. Par exemple, quand je veux manger quelque chose, je peux pas simplement tuer l'animal et récupérer sa nourriture. Regardez tout ce que je dois faire. Je commence déjà à perdre de la bouffe. Dis donc, ça va vite. Fais gaffe à ta bouffe. Bah et c'est exactement ce que je disais, vraiment. Nous sommes connectés. Bon, faut que je fasse la strat, hein. Du coup de drop et ensuite de bouffer et de re-récupérer la hache. En vrai ça peut aller vite comme ça en vrai. Mais juste si j'ai pas d'animal proche, c'est vrai que ça peut me foutre dans la sauce. Là vous pensez peut-être que j'erre sans but. Et bah non, pas du tout. Actuellement je suis à la recherche d'un village. Car il y a quelque chose que je peux récupérer dans les coffres qui peut vraiment révolutionner le challenge. Et bon, pour en trouver un, faut que je me mette à marcher. Hein. En vrai, je m'attendais à quelque chose dans la plaine. Sauf que problème, bah il y avait rien. Je commence déjà à faire nuit. C'est-à-dire que ça va faire 10 minutes que je cherche juste un village dans rien. Oh oui! Et maintenant, il faut que je trouve une structure en particulier. En effet, avoir un village n'est pas la seule chose qui demande de la chance dans le challenge. Il faut qu'il y ait une forge dedans pour que j'ai une chance d'avoir l'item que je veux. J'en profite pour dormir, comme ça il y aura plus de mobs. Ok, ouais, il y a des choses, hein, mais c'est pas ce que je veux. Dites-moi qu'il y a une forge, s'il vous plaît. J'ai pas l'impression, hein. Il y a beaucoup de choses dans les coffres, mais malheureusement, ma hache vaut vraiment tout ce qu'il y a dedans. En revanche, je crois que le village que j'ai trouvé ne suffira pas parce que, bah, dans les coffres, il n'y a pas eu ce que je voulais. Ah, il y a des trucs aussi là, mais c'est toujours pas une forge, hein. Il peut pas y avoir de forge dans les villages comme ça. Écoute, news dévastatrice. Hein. Il est temps que je vous explique enfin pourquoi je veux tant une forge. En gros, dans le coffre de cette maison, je peux avoir une selle. Vous voyez cette selle, je peux l'équiper à un âne. Et peut-être que vous savez pas, mais on peut leur attacher un coffre. Ce qui me sauvera pendant absolument tout le challenge. Mais bon, pour ça, il faut que je la trouve. Donc, je suis reparti à l'aventure. Il y a un lac de lave. En soi, je vais prendre les coordonnées, je pense. Voilà. Village à gauche, vous mentez. Il ne se voit pas. À gauche, non, mais non. Oh, j'ai tellement bien fait de pas écouter le chat. J'ai un autre village. Il fallait juste que je prie pour avoir une forge. S'il vous plaît. Non, mais là-dedans, il n'y a pas... Mais laisse-moi entrer. Non, mais non, il y a plein de choses, c'est top, hein. Mais il n'y a pas ce que je veux. Et là-dedans, si je regarde... Non, mais ça, il n'y a rien, en plus, il n'y a même pas de coffre. Dans quelle structure on peut trouver des selles? Donc j'ai fait la recherche sur Google et j'ai vu qu'il y avait certaines maisons de village, les temples du désert et les temples de la jungle. Donc bon, je retourne marcher encore. Mais en chemin, j'ai croisé une tour de pillager et donc j'ai décidé de vérifier. Mais j'ai aussi vérifié si vous êtes abonné, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas abonnés. En plus, je pense qu'il y a moyen que vous aimiez mes vidéos. Merci à ceux qui se seront abonnés. Rassurez-moi, il y a une entrée quelque part. Il y a une entrée, c'est bon. Il y a effectivement pas ce que je disais. Non, me dites pas qu'il y en a un qui est monté. Non! Ah, ils sont plusieurs! Arrêtez! Mais ils sont combien? Ok, c'est bon. Bah écoutez, très mauvais investissement cette tour. Je vais descendre comme ça. Voilà, c'est bon, pas de dégâts dessus. Après cette aventure mouvementée, j'ai retrouvé un village qui, bien évidemment, n'avait pas de sel. Et ensuite, il s'est passé un événement tragique. Non, je peux plus courir. Ah! Non, mais puis quoi? Non, mais. Oh, je respawn dans le village. Et bah écoutez, je vais me faire un nouveau chemin. J'ai le droit de mourir, je m'en fous. Et bah, je vais redormir. Après cette bonne nuit de sommeil, je suis allé chercher un village. D'ailleurs, j'en pouvais tellement plus. Ça devait faire une heure que je cherchais cette sel que j'ai appelé MyBio. Pour que je devienne pas fou. D'ailleurs, j'ai pas abandonné le challenge pour changer de map plus tôt, car si j'abandonne, je devrais donner mon âge, que je n'ai jamais dit pour le moment. Soutien émotionnel, c'est pas plutôt le mot que je veux dire. Excuse-moi, je t'ai appelé, j'ai un village. Je veux un village, mais je veux surtout une forge. Non, c'est bon, j'ai le village, allez, ciao. Attends, non, y a pas de forge. Pendant que je lootais le village, un wandering trader se baladait à l'intérieur. Et c'est là où MyBios a une idée qui changerait vraiment le cours de mon speedrun. J'ai l'impression qu'il y a juste pas ce que je voulais. Je cherche une selle depuis une heure. Ah, pour avoir le donkey. Eh oui, sauf que devine quoi? C'est vrai que tu peux avoir les laisses en tuant le lama. Mais tu t'en fous, t'as tué une selle. Non, une laisse, c'est une idée de génie. T'as vu ça dans le chat? Oui. Je suis le bonhomme et c'est réglé en somme. Oui, oui, je vais tuer le bonhomme aussi, mais c'est juste pour pas qu'on me crache dessus. Tout le monde pour être sûr. Ouais, pour être sûr et certain. Après avoir récupéré la laisse, je suis parti à la recherche d'un âne qui me servirait à stocker tous mes items. J'ai pas une mule proche? Ah putain, c'est des chevaux. Non, mais non, non, je trouvais toutes les mules du monde avant et maintenant que j'en veux une, ça va prendre 15 ans, c'est ça? Genre, je vais aller dans une plaine. Faites que la plaine me donne ce que je veux. Attendez. Oui, oui. Tu peux pas mettre de coffre sans sel, je t'aurais prévenu. Tu dis faux. Ça marche. Allez, bam, 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 dans ta... Yippie.
Oh non, je l'ai tapé, pardon. Je vais retourner au village. Avec cette fois-ci mon donkey en poche. J'étais très content d'avoir Soran, mais le problème c'est que c'est bien moins pratique de se déplacer avec une laisse qu'avec une selle. Donc j'ai eu quelques galères à me déplacer jusqu'à ce que je trouve une nouvelle structure. Oh vas-y, ça va être insupportable de le transporter en revanche, comme ça. Non mais vas-y, fais des siennes, viens vers moi. Voilà, où est-ce qu'il y a du blé? Il y en a là, parfait. Ah mais qu'est-ce que je fous là? J'avoue que j'ai été le premier étonné de tomber. C'est de la détresse psychologique pure et dure ce challenge, vraiment. Mais pourquoi t'es bloqué dans quoi là, peut-être connard? Allez, tu viens, tu te coinces pas. Mais il s'est coincé comment? Ce challenge est du malheur en boîte. Nouveau défi, tu finis le jeu en un slot, un demi-cœur, en hardcore, sans le droit au clic gauche, sans avancer. Je ferai ça un jour, ça me prendra je pense une petite heure. Je sais pas comment je vais me débrouiller là pour le faire monter. C'était une idée de merde de descendre. Viens. Ah! Qu'est-ce qui lui arrive? Wow, il fait des bons gros jumps. Je suis en train de parcourir terre et mer, ça me rend malade. Dans quoi il est bloqué là? Voilà. Dans quoi Koubé? Allez! Un max de lol dans le chat, s'il vous plaît. Je saute dans l'eau, est-ce qu'il va me suivre? Oh là là, s'il était mort, je me serais. Oh! Qu'est-ce qu'il fait ce connard? Pourquoi d'un coup il se retourne? Pourquoi? Pourquoi? Ah, j'aurais dû l'appeler Conan. Genre mélange de connard et Anne. Il commence à faire nuit, c'est là où il va être en danger. Putain. Oh là là. Ressort, ça va pas du tout, pas du tout. Si t'étais là au début du stream, sache que j'ai très peu avancé. Enfin si, maintenant j'ai un âne. Et j'ai toujours pas la selle. La laisse, la selle, la laisse, la... Je sais pas ce que j'ai pas... Oh, village, village. Je crois que j'y suis... Oui, j'y suis jamais allé. En plus, il y a un nouveau golem. C'est parfait pour le faire qu'il me manque. J'ai trouvé un quatrième village. Est-ce que j'allais cette fois-ci avoir la selle que je convoitais tant? Parce que l'avantage d'avoir un âne était très limité par le fait d'utiliser une laisse. Il y a probablement pas de forge, hein. J'ai plus confiance en ma chance de toute façon. Il y a pas de forge. Mais il y a le golem qui va m'être utile. Je vais checker dans les maisons quand même tous les loots, hein. Il y a rien là-dedans. Merde, non, je voulais pas taper. Le golem va m'en vouloir du coup. De toute façon, là je vais me récolter les 3 blocs et encore devoir l'achever à la main. Hey, il s'est attaché à moi en vrai le Soran. Il est resté à côté de moi là pendant que je le tue alors que tout à l'heure il voulait pas. Let's go, merci Telgoat. Y'a quoi là-dedans? Des émeraudes et du pain. Le pain vaut toujours la peine. Eh, hey, je l'aime trop. Je promets, c'est la première fois que j'ai une affection envers un mob de Minecraft. Vraiment. D'habitude je m'en fous des animaux de compagnie. Là, s'il crève, j'aurais le seum. En revanche, ouais, c'est vrai que j'ai pas fait ça avant, je vais me mettre un lit comme ça. Je risquerais de pas mourir. Bon, vas-y, ça me casse les couilles. La forge, mais y a pas de forge. Oh, y'a une forge! Merci Poly Eclipse! Ce message changera complètement le sort de ce challenge. Si c'est pas un argument pour que vous veniez me follow sur Twitch, il est en description pour ceux qui veulent. Cet événement est tant important parce que c'est dans cette forge que je vais enfin trouver ma selle et pouvoir être beaucoup plus efficace. Maintenant, ma prochaine étape, c'est de trouver un lac de lave. Il est lent, c'est tellement long. Mais c'est plus pratique. Alors, un petit lac de lave peut-être, je vais me mettre en Quake Pro. J'espère qu'il y en a un. Ce serait vraiment le minimum syndical. En plus, ça utilise pas ma bouffe, je suis presque ému. Est-ce qu'il saute bien même? Oh, flopesque. Oh, let's go. Il était temps. J'avance enfin. Y'a quoi? Du malheur sur ce stream. Le briquet est fait. Alors, maintenant, faut que je set up le truc du portail. C'est bon. Attendez. Là, vous êtes en train de me dire que je suis vraiment en vogue pour aller dans le Nether. Là, j'ai presque les larmes qui coulent. Let's go. Le portail du Nether est fait. Je suis très ému. C'est bon, je peux dormir. Avant d'aller dans le Nether, rien de mieux qu'un peu de repos. Maintenant que j'ai mon portail du Nether, soit la chance sera avec moi et je trouverai des structures assez vite. Et surtout, Soran ne mourra pas. Soit tout l'inverse. Et le challenge sera un calvaire. Mais bon, malgré la peur, mon Nether partait très bien. Ouah ! Ouah ! Oh, cette chance ! Après tant de malchance. Vous savez quoi ? Je vais lui faire un trou pour qu'il soit en sécurité. Hein. Soran, tu ne mourras pas. Tu resteras avec moi à tout jamais. Première Blaze Rod. Je vais mourir. Je reviens. Même si j'ai eu de la chance au niveau de la position de la forteresse, ça n'empêche pas que tuer les Blaze était une vraie galère. Donc il est possible que je sois mort quelques fois. Pas de note là existe, ayez confiance un peu. Mais wesh, il m'attaque au corps à corps. Je m'en fous de mourir, c'est bon. 3 Blaze Rod de sécurisé. Ah, putain mais... Non mais vas-y. Ah, il a drop, moi aussi. Let's go. D'ailleurs, il manque un peu trop d'erreurs dans ce que je fais. Du coup, j'ai très vite remédié à ça. C'est moi où j'ai drop ma pioche dans la lave. J'ai drop ma pioche dans le feu, je crois. Je suis quasi sûr que j'ai... Mais vas-y. C'est terrible quand même. Ok, Blaze Rod, on est bon. Non. Non. Après avoir récupéré toutes les Blaze Rod, je me suis recrafté une pioche et je suis parti miner plein d'or pour faire énormément d'échanges avec les piglins. Et revoilà une étape qui nécessitera beaucoup de chance. Oh, ouais. Oh, 8 déjà. Des trucs en fer. Oh, des perles. C'est bon. Ok, 7 perles. Écoutez, je peux rentrer tranquillement, sans rancune. Je crois que je vais enfin pouvoir aller dans... Tu réalises le Nether, là, en soi, ça a été une petite partie de la... Me dites pas qu'il crève de l'autre côté. Oh.
Il n'y a pas que l'âne qui a disparu, il y a tout le stuff. Là, vous vous dites que le challenge est raté, sauf que là, vous avez pas vu tout ce que j'ai fait depuis le début. Surtout, tout ce que j'ai fail depuis le début. Par exemple, vous vous rappelez du moment où j'ai eu la selle? Voilà la vérité. Il n'y a pas de selle. Je vous promets, c'est bon. On fait un rewind dans le temps, mais j'en peux plus. On refait la scène, ni vu ni connu. Yippie. Oh mon dieu. Aussi Soran, j'ai vraiment de la chance qu'il soit pas mort avant ça. Oui. Ah, fallait juste faire ça. Wesh. Non. Je n'ai plus aucune dignité. Et vraiment, l'or, il était mais long à miner. Et bah, j'ai miné du gold. Oh, dinguerie. Vous allez pas croire, mes spinneries étaient magiques. Bref, si vous êtes fait avoir, un petit like, un petit abonnement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.